Pesqueria. À Rome, le mardi, se rendent au marché pour vendre leurs poissons dans le timo pêché. Les grands paysans bruns et les filles trapues. Ils ont fait leur abri de deux veaux trompus, dont l'une dans sa chute a longtemps hésité. Et par un vieil instinct de sa caducité, reste comme un dormeur qui sent tomber chancelle. Le poisson tout humide et palpitant ruisselle. Soit d'un long bloc de pierre alignée en étal, débris de quelque ancien dallage impérial. Le sol gras jonché des cailles douilles, et ses infectes chairs à l'air épanoui, sous les yeux des chalands croupissent par monceaux. Il fait sombre en plein jour sous ses tristes arceaux. Un réverbère y dort d'un air mélancolique. Tous les coins y sont noirs de l'ordure publique. On voit au fond la rue étroite et claire fuir. Et maintes ménagères, à la bourse de cuir, parmi la marchandise éparse et dégoûtante, fouille et débat le prix du morceau qui l'attente. Cependant, au soleil, dans la brique enchâssée, tout blanc encore après 1800 ans passés, trois chapiteaux, honneur d'un ciseau de Corinthe, des gloires de ce lieu gardent la pure empreinte.